Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le tutoriel de la célèbre chanson interprétée notamment par Julio Iglesias, Je n'ai pas changé, adaptation de No Vengo Ni Voy, écrite en 1978 par le compositeur argentin Dino Ramos, sur des paroles françaises de Claude Lemel en 1979. Alors, j'ai modifié la tonalité originale de Fa mineur, qui est la relative mineure de La bémol, pour celle de La mineur, qui est la relative mineure de Do majeur. Voilà, parce que j'ai estimé que c'était le meilleur compromis pour vous proposer la tonalité la plus facile, mais aussi pour ne pas avoir utilisé la clé de transposition de nos pianos numériques pour que je puisse aussi en même temps vous enchanter le guide. Alors, néanmoins, vous l'aurez quand même compris, je vous recommande de toujours lire dans la description tout ce que je vous propose sur ma chaîne pour bien vérifier quelle est la valeur de cette clé de transposition et de l'appliquer si besoin. Naturellement, si elle est à 0, symbolisée par les deux lettres K et T qui transposent en anglo-saxon, c'est qu'il n'y a rien à modifier. Comme aujourd'hui, par exemple, c'est KT0 qui transpose 0. Voilà. Donc, en revanche, si vous en avez besoin, n'hésitez pas à vous en servir, hein. Les pianos numériques, ils sont faits pour ça. Donc, rien ne vous empêche d'augmenter ou de diminuer la transposition interne de votre clavier si cette tonalité elle n'est pas ajustée à votre voix. C'est toujours une affaire de confort vocal. Ça se passe peut-être de manière digitale sur votre piano, que sais-je, il y en a pléthore de modèles. Ici, ça se passe de manière semi-mécanique, on va voir ça ensemble. Vous avez trois repères verts. Ici, c'est un espace. Au milieu, ce qui constitue, celui du milieu constitue le neutre. Donc nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 demi-tons disponibles pour rendre le clavier plus grave, avec une simple petite manipulation. Et à partir toujours du repère neutre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc 6 plus 6, 12 demi-tons pour pouvoir l'augmenter, le rendre plus aigu. Donc, j'allais dire, dans ce panel, vous trouverez forcément là où se trouve de quoi ajuster votre voix, sans changer, modifier notre tonalité, bien sûr, originale, qui va être extrêmement simple, puisqu'on va jouer en La mineur, qui est la relative mineure de Do majeur, comme je viens de vous l'expliquer. Donc, si vous ne savez pas où ça se trouve, vous ouvrez votre manuel de clavier et vous cherchez la rubrique transpose, transposition, et il vous sera forcément indiqué comment procéder. Franchement, ça ne peut être qu'extrêmement simple. Il doit y avoir un symbole sur votre piano, quelque chose. Bref, un dernier mot, vous trouverez aussi dans une autre vidéo sur le petit guide, comme d'habitude, l'ensemble de la chanson pour vous aider à la compréhension générale. Donc, je me suis amusé à en faire une bossa nova, c'en est pas une à l'origine, mais moi, je la connais depuis longtemps et ça m'a toujours fait rire. Donc, je vous la propose comme telle. Cependant, pour ceux qui sont très débutants, je vous propose qu'on la fasse, la tonalité est tellement simple, on va la faire quand même en balade. Comme ça, vous allez voir, vous allez pouvoir vous faire quand même grandement plaisir en la jouant en balade, le temps que vous progressiez pour pouvoir accéder à la bossa nova. Et en deuxième partie, bien pour ceux qui sont un petit peu plus avancés, eh bien on fera ce qu'il y a dans le guide, hein, voilà, c'est-à-dire je n'ai pas changé, je suis toujours ce jeune homme étranger. Te chanter des romances et t'inventer des dimanches. Bref, on fera ce genre de choses, n'est-ce pas? Donc c'est parti. Donc l'introduction, si vous êtes ultra débutant, je vous propose quelque chose de très simple. Ré mineur, donc La mineur septième, Ré mineur septième, Mi septième, et on attaque. Je n'ai pas changé. Donc déjà, voyons le Ré mineur septième, le La mineur septième. Alors je viens de parler de La mineur septième. Donc laissez-moi vous donner une astuce. Voilà, c'est un La mineur septième renversé, tout simplement. La septième, j'ai renversé. J'ai parlé de septième. Eh bien, une astuce pour reconnaître, faire la différence entre la septième et la majeure septième. On va avoir recours, on y a tout le temps recours, hein, dans la musique. Hein. Donc, c'est très simple. Vous voyez la fondamentale, notre gamme de La mineur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, septième et octave. Donc, forcément, donc, c'est-à-dire de là à là. C'est extrêmement simple, hein, puisqu'on a que des blanches, on n'a aucune altération. Eh bien, on va descendre d'un demi-ton, on va toujours trouver la majeure septième, et un demi-ton en dessous, on trouvera toujours la septième. Pourquoi? Fondamentale, par exemple, qu'on soit en mode majeur ou en mode mineur. Majeur, c'est à partir de la fondamentale tonale tonique, c'est 1, 2, 3, 4 demi-tons au-dessus de la fondamentale. Et la tierce mineure, tierce majeure, tierce mineure, donc qui nous passe en mode mineur. Eh bien, c'est trois demi-tons. Donc, fondamentale, tierce mineure, quinte majeure. Et à partir de la quinte majeure, regardez, trois demi-tons, c'est une tierce mineure dominante. La mineure septième. Et 1, 2, 3, 4 demi-tons, la mineure majeure septième. Ou la septième, si vous êtes en... La tierce est majeure.
Mais là, en l'occurrence, donc vous aurez toujours, évidemment, c'est valable dans les 12 tonalités, sinon c'est pas une astuce, bien entendu. Donc vous saurez toujours repérer la septième. Ben, ça tombe bien, puisqu'on va s'en servir immédiatement. Fondamentale, tierce mineure, quinte, et la septième, je la renverse. C'est tout simplement renversement. Vous voyez, c'est tout ça, c'est extrêmement simple, ce ne sont que des renversements. Donc renversement du la mineur septième. Sol, la, do et mi. Donc ensuite, donc vous apposez. Alors si j'ai pas de grande main et j'y parviens tout de même, vous pouvez doubler la basse, elle la rend plus profonde. Donc on est en train de regarder l'introduction la plus simple, n'est-ce pas? La mineur septième, donc sol, la, do, mi, je répète. 1, 2, ré mineur septième. Gamme de ré, 1, 2, 3, 4, 5, 6, majeur 7e octave. J'aime bien que vous sachiez ce que vous faites. Fondamental, je parle naturellement en degrés et dans la gamme naturelle. Voilà, c'est-à-dire tout le décalage est fait déjà, je vous le propose. Voilà. Fondamental, tierce mineure, quinte et septième. Donc ici, tout simplement, on la joue dans sa position fondamentale. On a ré, fa, la et do. Et ensuite, on résout par mi septième. Gamme de mi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, majeur 7e octave. Fondamentale, tierce majeure, quinte majeure et la septième. Vous voyez, pour corroborer mes propos, de mi à mi, un demi-ton en dessous, c'est majeur 7e. Suite était mi majeur 7e, mais j'ai annoncé mi 7e. Donc c'est bien la septième qui donne une tierce mineure dominante. Voilà. Donc nous avons mi, comme l'ai-je dit, la bémol, si et ré. Voilà. Donc je récapitule, la mineure septième. Ré mineur septième, mi septième. Et là, on est prêt à passer. Donc, la chanson s'articule avec quatre couplets et deux refrains. Donc, d'abord deux couplets, un refrain, puis troisième et quatrième couplet, et le refrain, et on termine. On ne peut pas faire plus simple. Voilà. C'est très clair. Donc, mi septième. Ah oui. Si vous voulez faire une introduction, comme je vous l'ai montré dans le guide, j'aurais pu seulement vous faire ça. Hein, bam, bam. Et mais donc, si vous voulez, l'introduction, elle est tout simplement, c'est tout simplement le refrain. Donc, on commence sur la, bien sûr, la note fondamentale. Et toi non plus. Alors, j'utilise le renversement du ré mineur. Vous voyez, la fondamentale, premier renversement, passe en haut. Voilà. Deuxième renversement, la tierce mineure passe en haut. Il y en a un troisième et on revient en position fondamentale. On va utiliser le deuxième renversement. Donc. Et alors il y a plusieurs, il y a tellement de possibilités. Ça peut être une offre, hein, possible. Ré mineur septième. Donc la mélodie est dans l'harmonie. Et là, évidemment, sol septième. Vous voyez, c'est très simple de résoudre sur sol septième. Parce que le refrain, c'est une descente en la extrêmement simple. Ensuite, et on peut pas faire plus simple, hein, une descente en la très classique. Donc, mais toi non plus. Sol septième, gamme de sol, 1, 2, 3, 4, 5, 6, majeur septième octave, ça va nous servir puisqu'on va la jouer dans le refrain. Donc sol septième, mais je viens de dire, non pas majeur septième, puisqu'on a vu dans la gamme de sol, majeur septième octave. Donc nous avons sol, si, ré et fa. Alors vous partez toujours de la fondamentale, toujours le même. Do majeur septième. C'est un renversement aussi, gamme de Do, 1, 2, 3, 4, 5, 6, majeur 7e octave. Majeur 7e nous intéresse, quinte aussi, tierce majeure et la fondamentale. Bah regardez, je bascule, premier renversement, la fondamentale, le Do en haut, et la tierce majeure en haut, deuxième renversement. Voyez-vous? Premier renversement, fondamentale, premier renversement, deuxième renversement, il y en a un troisième, et on se retrouve sur la position fondamentale, vous voyez? Mais une octave plus haute. Donc, on va utiliser le deuxième renversement, sol, si, do, mi. Ensuite, donc, je récapitule. Ré mineur septième, sol septième, avec sol, la, si, sur le mi. Pardon, et toi non plus. Ré mineur septième, sol septième. Évidemment, Do majeur septième.
par Fa majeur 7e, très très simple. Donc gamme de Fa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, majeur 7e octave. Oui, majeur 7e, on prend. Quinte aussi, tierce majeure aussi, et la fondamentale, bien sûr. Donc Fa, La, Do, Mi. Ensuite, Fa, Sol, La, Ré. Là, on se positionne sur Ré mineur. Vous voyez, fondamentale, tierce mineure, quinte. Et on rejoue la fondamentale en haut. Mi septième. Donc Mi septième, on l'a déjà vu. Hein. Mi, La bémol, Si, Ré. Alors là, on suit le Mi, donc c'est-à-dire Mi, Sol bémol, La. Pardon. Donc là, on rejoue La mineur, mais renversé. Vous voyez, tout simplement. Position fondamentale, renversement, renversement. Ou alors renversement du haut sur le bas, c'est la même chose, ou du bas sur le haut. Donc on a Mi, La et Do, et Mi, voilà, et bam, bam, voilà, avec la fondamentale et les deux fondamentales avec le La mineur. Donc je récapitule. Ré mineur, septième, Sol septième. Ensuite, Do majeur 7e, Fa majeur 7e, Ré mineur 7e, Ré mineur tout court. Vous voyez à chaque fois les notes de mélodie. Hein. Donc La mineur 7e, je joue la 7e ou pas. Vous pouvez aussi l'articuler autrement, c'est-à-dire en arpège, c'est-à-dire en arpège, mais en évitant par exemple de jouer la tierce, voyez-vous. Vous voyez, fondamentale, la quinte et la septième. Par exemple, vous voyez, là je joue même pas la septième, je joue la refondamentale. Vous voyez, comme ça. Simplement fondamentale, la quinte et la refondamentale. Ré mineur, comme ça. Là, vous pourriez jouer la tierce si vous voulez. Et je joue simplement fondamentale, la quinte et la septième. La mineur, septième. Donc toujours la même chose, mi septième, comme ça. Je viens résoudre tout simplement par le La mineur avec le La en haut. Voilà. Donc dans le temps, ça nous fait. Oh là là. C'est quand même navrant. Désolé, j'étais distrait. Bon, enfin bref, vous avez compris. Voilà. Mais sinon, si tout ça est trop complexe, parce que j'ai pas vocation, voilà, c'est précisément ça. Sinon, on regarde note par note la partition. Mais là, en l'occurrence, vous faites simplement La mineur 7e, Ré mineur 7e, Mi 7e. Et là. Donc on attaque le premier couplet. Je n'ai pas changé, donc Mi, Fa, Mi, bémol, La mineur septième. Donc on l'a déjà vu, Sol, La, Do et Mi. Je suis toujours, d'accord. Et on est vraiment en plein dans le La mineur. Hein. Je suis toujours ce jeune homme étranger. Ré mineur septième, donc Ré, Fa, vous connaissez, La et Do. Qui te chantait Mi septième que vous connaissez, hein, donc Mi, La, Si, Ré, des romances. Alors qui t'invente La mineur. Donc si vous voulez faire la petite descente chromatique à l'intérieur, c'est-à-dire La, La bémol, Sol, vous pouvez, hein, des romances qui t'inventaient des dimanches pour atterrir sur Si septième. Donc
Si, même pas septième, si, tout simplement. Donc gamme de si, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, majeur, septième, octave, fondamentale, tierce majeure, quinte, et refondamentale en haut. Vous voyez, c'est un simple renversement. Hein. Voilà. Donc mi bémol, sol bémol, et si. Ensuite, mi septième. Vous pouvez jouer la septième ou pas. Voyager. La mineure, c'est la mineure. Ré mineur 7e, ça va nous servir de turnover, c'est-à-dire de liaison. Ré mineur 7e, mi 7e. Allez, je vous refais le premier couplet, d'accord? Je n'ai pas changé en balade. Hein. Je suis toujours ce jeune homme étranger qui te chantait des romances, qui t'inventait des dimanches, qui te faisait voyager. Plus simple. Hein. Donc, je recommence. Je n'ai pas changé la mineur septième. Je suis toujours ce jeune homme étranger. La mineur septième qui te chantait mi septième des romances. La mineur septième. Si vous ne faites pas la descente chromatique, vous restez sur la mineur septième avec la septième à l'intérieur. Vous voyez, c'est un simple renversement. Hein. Ça. Il t'inventait des dimanches. Si. Ici ou là, comme vous voulez, hein, qui te faisait voyager. Et là, ré mineur 7e, mi 7, mi. C'est pas la peine de jouer à 7e, mi. Deuxième couplet, je n'ai pas changé, la même chose. La mineur 7e, je suis toujours ce garçon un peu fou. Ré mineur 7e, mi 7e, qui te parlait d'Amérique. La même chose. Alors là, non, là ça va être différent. D'Amérique, je n'étais pas. On va descendre. Regardez bien, la position va être intéressante du La mineur renversé. C'est-à-dire que c'est simplement là, donc fondamentale, la tierce mineure et la quinte. Je renverse la quinte dans cette position-là, d'accord? Car on va descendre tout simplement la fondamentale. Donc je recommence. Qui te parlait d'Amérique? Je n'étais pas sur le pas. Vous descendez avec la basse sur le sol sans toucher le mi, c'est-à-dire la quinte et la fondamentale. Vous descendez la fondamentale et la tierce, pardon. Vous descendez simplement la fondamentale sur le sol assez riche. Et vous descendez sur sol bémol. Pourtant, fa, fondamentale, tierce majeure, quinte, mais. Mi, la mineure. Je reprends tout doucement. Qui te parlait d'Amérique? Je n'étais pas assez riche pour t'emmener à Corfou. N'est-ce pas? Donc je reprends tout doucement. Qui te parlait d'Amérique? Je n'étais pas sur le pas. Vous descendez sur sol assez riche. Ensuite sur sol bémol, pourtant me, tant me fa, né, accord fou, mi et la mineure. Donc dans le deuxième couplet, je vous le fais intégralement. Je n'ai pas changé, je suis toujours ce garçon un peu fou qui te parlait d'Amérique. Je n'étais pas assez riche pour tant me. Et refrain. D'accord? Donc, 1, 2, 3, 4, et là, 5 et 6. D'accord? Voilà. Tout simplement. Alors, et toi? Alors, si vous voulez le faire avec deux mains, la, si, do, ré mineur 7e, donc on a déjà vu tout à l'heure dans l'introduction. Donc, sol, do, ré. Vous savez, vous vous souvenez, c'est le renversement, hein? Sol, Do, Ré, et La, pardon, Do, Ré, et Fa. Je viens dyslexique, moi, avec l'âge. Toi non plus, et toi non plus, tu n'as pas changé. Alors, vous pouvez tout simplement, vous n'avez pas besoin de jouer la mélodie, hein. Et toi non plus, tu n'as pas changé. Sol septième. On l'a déjà vu, Sol, Si, Ré, Fa.
toujours le même. Do majeur septième, on l'a déjà vu, hein. C'est le renversement, vous vous souvenez? Voilà, c'est-à-dire sol, si, do et mi. Parfum léger, fa majeur septième, fa, la, do, mi. Ensuite, toujours le même, là ici. Petit sourire, si vous voulez vous amuser, petit sourire, donc petit sourire, vous n'êtes pas obligé de faire la mélodie, et même petit sourire, voilà, mi septième, d'accord, donc mi, la bémol, si, ré, qui en dit long, sans, donc qui en dit long. Alors là, on va jouer la mineur septième comme ça, si, qui en dit long, sans vraiment le dire. Car on va passer du mode mineur, vous voyez la tierce mineure ici, la tierce majeure. Donc la mineure septième, di, la septième. Donc je reprends tout doucement. Et toi non plus, tu n'as pas changé, sol septième. Toujours le même, do majeur septième, parfum léger. Fa majeur septième, toujours. Alors si vous voulez vous amuser, vous pouvez faire la note de passage, mi. Même petit sourire, qui en dit long sans vraiment le dire. Et là, si vous voulez faire la mélodie, sinon, non toi non plus, vous continuez, hein, c'est des options. Hein. Sinon, vous faites une sorte de stop. Hein. Non toi non, donc la si do et donc la si do sur le fa, n'est-ce pas? La tierce mineure du ré, hein. Donc toi non plus tu n'as pas changé, sol septième, j'avais envie, do majeur septième, de te protéger, fa majeur septième, de te garder, la mineur septième, de t'appartenir, mi septième, j'avais envie, la mineure de reprends tout doucement, hein, depuis le début. Hein. Et toi non, depuis le début du refrain. Et toi non plus, la mineur septième, tu n'as pas changé. Donc sol septième, toujours le même. Do majeur septième, parfum léger. Toujours le même, et mineur septième, petit sourire. Mi septième qui en dit long. La mineur septième sans vraiment le dire. La septième, donc tierce mineure majeure. Toi non plus, la mineur septième, tu n'as pas changé. J'avais envie, do majeur septième, de te protéger, de te garder, la mineur septième, de t'appartenir. J'avais envie de te revenir, donc j'avais envie de te revenir. D'accord? Voilà. Maintenant, si vous voulez faire un peu la mélodie en même temps, vous pouvez. Hein. Et toi non plus. Je n'ai pas changé, la mineur septième, hein. Je suis toujours l'apprenti baladin, ré mineur septième, qui t'écrivait mi septième des poèmes, qui commençait. Donc là, soit vous restez sur la mineur septième, comme on l'a déjà vu, hein. C'est exactement les mêmes harmonies, hein. Donc, ou alors vous faites la petite descente chromatique intérieure que je vous ai proposée, là, la bémol, sol, qui t'écrivait des poèmes. Commencez par je t'aime, si, d'accord, et finissez mi septième par demain, ré mineur septième, mi, quatrième et dernier couplet, je n'ai pas changé, la mineur septième, oui, c'est exactement la même chose, je prends toujours le chemin, ré mineur septième qui me plaît,
d'un seul chemin, mi-septième sur la terre. Alors là, ça va être la même chose, hein. A réussi avec le sol à me plaire. Sol bémol, celui qu'en sang. Fa, on mi, suivait. Et dernier, et ensuite on retombe sur le refrain, et toi non. Et ce sera la fin de la chanson. Donc je vous la rejoue tranquillement du quatrième couplet, hein, parce que le troisième, c'est exactement la même chose. Hein. Allons à partir de la fin du troisième. Bam, 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 je n'ai pas changé, donc en balade. Je prends toujours le chemin qui me plaît, la mineur septième, le seul chemin sur la terre a réussi à me plaire, celui qu'en semble en suivait. Pardon, sur la terre a réussi, sur le si, réussi du mot, on descend sur sol, à me plaire, sur ensuite sol bémol, donc vous gardez mi, hein. Là, je peux rentrer dans le détail. Hein. Celui qu'en sang fa, mon mi-septième suivait. C'est plus joli, ouais. Chemin sur la terre a réussi à me plaire. Celui qu'en sang l'on suivait. Et là, évidemment, et toi non plus, tu n'as pas changé. Sol septième, toujours le même. Do majeur septième, parfum léger. Fa majeur septième. Toujours le même, ré mineur septième, petit sourire, mi septième, qui en dit long, la mineur septième, sans vraiment le dire, la septième, non toi non plus, ré mineur septième, tu n'as pas changé, sol septième, j'avais envie, do majeur septième, de te protéger, fa majeur septième, de te garder, la mineur septième, de t'appartenir. Septième, j'avais en. Donc là, vous pouvez faire plein de choses. Hein. J'avais envie de revenir. Alors, moi, je vous ai proposé la mineur, majeur, septième, neuvième. C'est joli pour terminer. C'est-à-dire do, mi, la bémol, si. Je n'ai pas fait en arpège, mais on peut tout faire. Hein. Ça. Voilà, mes amis. Bon, je pense que vous avez un bon vademécum pour faire la balade. Maintenant, je propose ceux qui sont un petit peu plus avancés. On fait la bossa nova ensemble. Allez, donc là, ça ne posera pas de difficulté pour vous. Vous avez saisi l'introduction, hein. C'est le refrain. Donc, et toi non plus, allez, allez. Je n'ai pas changé. Alors on va regarder quel est le. On va rester plus longtemps sur les. On va faire exactement les. Quasiment les mêmes harmonies. Oui, même les mêmes harmonies. On va regarder comment ça s'articule. Donc comme vous avez une belle vue du dessus, je vous enlève l'annulaire. Enfin, je les garde quand même. Je vous les camoufle. Hein. Et le majeur. Je vous laisse l'auriculaire et l'index. Vous avez une belle vue du dessus. Ce sera beaucoup plus simple à voir. J'articule seulement deux notes. C'est une bossa nova simplifiée. Alors évidemment, vous la mettez au tempo qui vous intéresse, hein, si vous voulez accélérer la cadence. Hein. Mais sinon, voilà, c'est quand même assez lent quand même, hein, c'est langoureux. Hein. Donc, je n'ai pas changé, premier temps, voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la fondamentale. Et la quinte, qu'elle soit en mode majeur ou en mode mineur, ça n'a aucune importance. On garde la fondamentale et on renverse toujours la quinte. Voilà. Donc ici, où est la quinte de là? Donc, si vous ne connaissez pas bien vos gammes, on va avancer ensemble dans la chanson et on va rester longtemps sur les barres de mesure. C'est un tutoriel, ça n'a pas d'importance. Et en même temps, on fera une révision des harmonies. Je vais vous donner le texte. Donc, la quinte, 1, 2, 3, 4, 5 en mineur, 1, 2, 3, 4, 5 en majeur. Donc, on a bien déterminé que c'est mi. Donc, là, et hop, le mi, je le redescends, voilà. Mais alors là, c'est très simple, mais par exemple en si, où est la quinte, si vous ne connaissez pas bien vos gammes, 1, 2, 3, 4, 5, voilà, c'est fa dièse. Donc ça va être si et fa dièse qu'on va renverser. On garde la fondamentale et on renverse
la quinte, n'est-ce pas? Donc. Donc, si vous voulez, je préfère quand même que, comme ça, vous n'avez pas à chercher où sont, si vous ne connaissez pas bien vos gammes, c'est tout à fait possible. Hein. Allez, je n'ai pas changé. Donc, la et mi, voilà, tout simplement, vous n'avez pas de questions à vous poser comme ça. Je suis toujours ce jeune homme étranger. Donc, sur ré mineur septième, vous voyez 1, 2, 3, 4, 5 ou en mineur. C'est donc là, donc fondamental, et là vous avez compris le principe, c'est donc la quinte que je renverse. Qui te chantait, mi septième, donc mi et si, hein, à la main gauche bien sûr, hein, des romances. Là vous devriez pouvoir, voilà, à l'intérieur de la rythmique, y inscrire la descente chromatique, voyez-vous, là, la bémol, sol, d'accord. Donc je recommence que te chantais, des romances, 1, 2, 3, qui t'inventait. Alors là, on vient de le voir, hein, gamme de si, hein. Donc on a si et fa dièse, des dimanches qui te faisaient, mi septième, donc mi et si, voyager. La mineure, ré mineur septième, mi septième. Je reprends, qui te chantais, des romances, qui t'inventait, des dimanches, qui te faisaient voyager. 2, 3, deuxième couplet, je n'ai pas changé, la mineure, septième, je suis toujours ce garçon un peu fou, ré mineur sept, qui te parlait, mi septième, d'Amérique, je n'étais pas, alors là on va descendre aussi, alors simplement la petite différence, donc on articule toujours le la et le mi, mais là, on va avoir une petite différence quand même. Sur le sol, on va articuler do à la basse, sol et do. Ensuite, sur le la bémol, j'ai pas trop le temps de vous expliquer pourquoi, comment, mais l'essentiel, c'est que vous le voyez. Voilà. Sol bémol avec do. Ensuite, fa. Voilà, justement, fa et do. N'est-ce pas? On est déjà finalement sur l'articulation de la quinte du fa, n'est-ce pas? T'emmener à Corfou. Alors, donc, je vous l'articule lentement. Qui te parlait d'Amérique, je n'étais pas assez riche pour t'emmener à Corfou. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on a juste le temps de t'emmener à Corfou. On a juste le temps de faire le passage de la fondamentale, n'est-ce pas? Qui te parlait d'Amérique, je n'étais pas. Là, on a en revanche, on a le temps de faire sol, d'articuler sol et do, sans assez riche. Là, la même chose, on a le temps d'articuler sol bémol et do, pour t'emmener à Corfou. Voilà, je répète, pour t'emmener à Corfou. Directement, voilà. Boum, vous plaquez l'accord de la mineure renversée, hein, évidemment. Très simple, hein. Donc je reprends. Qui t'en parlait d'Amérique, je n'étais pas assez riche pour t'emmener à Corfou. Et voilà. Ça va faire plus simple, hein. Allez, le refrain. Et toi non plus, tu n'as pas changé. Alors comme pour la balade, hein, vous pouvez rester sur les harmonies ou vous amuser à faire. Donc voyons déjà sans la mélodie, harmonie et mélodie en même temps, puisqu'elle est vraiment très facile à faire dedans. Donc, et toi non, donc, avec une main ou deux mains, comme vous voulez, plus. Donc sur le ré mineur septième renversé, ré et la, tu n'as pas changé, sol septième, sol et ré. Je parle toujours de la main gauche, bien sûr. Toujours le même, do majeur septième, do et sol, parfum léger, fa majeur septième, fa et do, toujours le même. Sur le ré mineur, on a ré là, hein. Petit sourire. Sur le mi septième, donc on a mi et si, hein, qui en dit long. La mineur septième, donc on a la et mi, sans vraiment le dire, vous voyez. Du mode mineur au mode majeur, on ne change pas notre basse, hein, la et mi, hein. Non, sans vraiment le dire. Et là, non, toi non plus, tu n'as pas ré mineur septième.
Donc Ré et La, bien sûr, changé, Sol septième, j'avais envie. Do majeur septième, Do et Sol, de te protéger. Fa majeur septième, donc Fa et Do, de te garder. Là, ça vous empêche absolument pas de faire la petite transition avec Mi, Ré, de te garder. Ici ou là, en renversement, là, si vous voulez pas, vous faites Ré mineur septième si vous voulez pas faire la mélodie, mais si vous voulez en faire un peu, gardez de t'appartenir, n'est-ce pas? Vous vous mettez là, hein? Mi septième, donc Mi et Si, hein? J'avais envie. Donc La mineur. À partir de la deuxième phrase, non toi non plus, tu n'as pas changé. J'avais envie de te protéger, de te garder, de t'appartenir. J'avais envie de te revenir. Troisième couplet, je n'ai pas changé. La mineur septième, je suis toujours l'apprenti baladin. La mineur septième, Ré est là. Qui t'écrivait sur le mi septième, on a mi et si, hein, des poèmes. La mineur septième, même si vous voulez pas faire la descente chromatique, vous restez sur la mineur septième, qui commençait par je t'aime, si, hein, et finissait bien sûr mi septième, donc mi et si, par demain. Donc la mineur sept, mi septième. Quatrième et dernier couplet, je n'ai pas changé, pam, 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 je prends toujours, là et mi, toujours, hein, le chemin qui me plaît. Vous avez le guide, hein, pour voir l'ensemble, hein, c'est à peu près ça, hein. Ré mineur septième, Ré là, hein, qui me plaît, un seul chemin, mi septième, mi et si, hein, sur la terre. Alors là, c'est là que c'est délicat, a réussi, avec le sol, à me plaire, sol bémol, celui quand sans fa, on suivait dans in time, dans le temps, un seul chemin, mi septième sur la terre, a réussi à me plaire, celui quand sans on suivait, d'accord? Donc celui quand sans on suivait, donc fa. La mineur avec sol, sol bémol, donc Ré ici, sol et do à me plaire, donc la sol bémol et do, celui quand s'en vont suivait, donc tout simplement la mineur, et là évidemment dernier refrain, et on ferme la chanson, mais vous la reprendre autant de fois que vous voulez, bien sûr, hein, toute la nuit. Et toi non plus, tu n'as pas changé, sol septième avec sol et ré, toujours le même, do majeur septième, do et sol, parfum léger, fa majeur septième, fa et do, toujours le même. Soit Ré mineur septième ou Ré mineur comme ça, c'est comme vous voulez. Petit souris, mi septième, lion du long, sans la mineur septième, sans vraiment le dire. Non, vous faites des, je fais un stop, mais si vous voulez pas l'en faire, vous n'en faites pas. Hein. Non, toi non plus, tu n'as pas changé. Ah oui, on peut faire aussi, vous pouvez faire des descentes chromatiques comme ça. Vous voyez pas? Par exemple, non, toi non plus, tu n'as pas changé. Ouais, j'ai pas pensé à le faire, tiens. Oh, ça vous viendra tout seul, hein. Changer, pam, 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 pam. Sol septième, j'avais envie. Do majeur septième, hein, do et sol, de te protéger. Fa majeur septième, de te garder. Ré mineur septième de t'appartenir, mi septième, j'avais envie de te, la mineur septième de te revenir. Si ça vous plaît pas, la mineur majeur septième neuvième, vous
terminer sur la mineur, hein, tout simplement. Hein, voilà, c'est une proposition. Hein. C'est pas, j'allais dire, c'est pas écrit sur la partition. C'est moi qui estime que c'est plus joli. C'est des harmonies de finition que j'aime beaucoup. Comme ça, donne un petit côté aérien. Enfin bon, c'est comme vous voulez. Hein. Donc voilà, je pense que vous avez un petit vade-mecum, vous avez le guide, n'oubliez pas. Cette chanson, bien sûr, que j'ai mise un peu à ma manière, mais de temps en temps, j'ai bien envie de me faire très plaisir, voilà. Et puis la chanson s'y prête, hein, voilà. Donc en revanche, je l'ai mise, je l'ai inscrite, donc curieusement, dans la playlist latine, bien entendu. Ah oui. Donc vous découvrirez, si vous avez la curiosité d'explorer tout le contenu de ma chaîne, donc une grande playlist consacrée à la latine avec des grands compositeurs, Chico Buarque, Carlos Lyra, mais évidemment une autre playlist au prince, au pape, que dis-je, pas au seigneur de la bossa nova, Carlos Tom Jobim, bien sûr, et une grande playlist au grand poète Vinicius de Moraes. Non moins compositeur, mais surtout un fabuleux poète, voilà, brésilien, que j'admire beaucoup depuis toujours. Et puis une autre playlist, enfin pas une dernière, j'espère pas, hein, et une autre playlist aussi pour laquelle que j'ai consacré à la passion de ma vie, c'est-à-dire Michel Legrand. Donc là, c'est beaucoup plus difficile, plus exigeant, mais je me suis efforcé, voilà, de faire le maximum pour le simplifier, ce qui n'est pas chose facile, c'est surtout dans un but altruiste et andragogique, hein, bien entendu. Hein. C'est pas du tout voilà, pour faire une salade, hein, pas du tout. C'est pour essayer de le mettre à disposition, de le rendre disponible pour tous, voilà. Et créer, susciter un engouement voilà, auprès de ces fabuleuses chansons. De toute façon, je vous propose que des chansons que j'aime. Celle-ci, je l'ai toujours aimée aussi. Il n'y a pas de raison, hop, je me suis dit, tiens, je vais en profiter, je sentirais bien quand même le. Voilà, il y a tout à fait possibilité, voyez-vous, de l'articuler latine. Ça s'y prête très bien. Donc, je vous dis merci de votre attention, de votre fidélité, et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Et puis, n'oubliez pas, c'est que du bonheur, que du plaisir. Donc, voilà, il faut vraiment s'adonner au piano-voix. Moi, personnellement, en tout cas, c'est le mode d'expression que je préfère. Merci, à bientôt. Au revoir.